Salut YouTube, petite intro parce que ça fait longtemps que t'as pas eu de contenu Slay the Spire sur cette chaîne. La raison elle est toute simple, je sors d'une petite lose streak avec le défectueux. En ascension 20, cœur corrompu, bah c'est pas évident, mais je l'ai fait. Désolé pour l'attente, profite de ta vidéo. Allez, on y va. Il est dur ce perso, hein. Mais là j'ai vraiment déconné par contre. J'ai été un peu secoué par le dernier boss. Alors, dis donc, petite route... la spéciale, est-ce que... Attendez, j'ai pas vu le boss, c'est Slime Boss, non? Ah, même pas! Tiens, la spéciale ici. Bon bah c'est pas grave, on va tenter un snipe de... La spéciale double. C'est la double spéciale. C'est-à-dire que non seulement vous avez un barrage d'élite étage 6, mais en plus vous pouvez en sniper aucun. Ça c'est le swag. Ça c'est le swag. C'est un swag intégral. Bon après il y a 1, 2, 3. C'est tout? 3 feux? Attends, mais il y a un élite en plus ici là. Donc ça dégage ça. Il y a un potentiel 4 élites et 3 feux. Waouh. Ça fait rêver quand même, hein. Et ça donne envie de prendre celui-là, donc de prendre ça. Et de prendre les trois prochains combats sont faciles, comme ça. J'arrive bien blindé de vie contre les élites, on pose pas de questions. J'ai envie de prendre sang-froid, mais je sens que ça va me mettre pas très bien. C'est pas grave, on va essayer. On peut se permettre vu qu'on a 3 combats faciles. Essence d'acier, c'est ok. Démarrage peut être sympa. Démarrage, ça règle un peu les tours 1, mais bon. Je déteste Hello World. J'aime vraiment pas cette carte. Je déteste absolument cette carte. Et en même temps, ça peut être la game de la réconciliation avec Hello World. Parce que là, vraiment, ce début me convient pas. Et Hello World peut me permettre de générer des cartes dont j'ai besoin pour passer certains élites. On va essayer Hello World. Par contre, faut pas déconner, ma chouille, tu dégages. Ok, foudre en boule, très bien. Œuf toxique est H3, mais encore. On a peut-être plutôt envie d'aller voir un fight du coup, hein. En vrai. Même si c'est un fight difficile, on a peut-être envie d'aller voir un fight plutôt, hein. On va perdre quelques PV, mais c'est pas grave. On a un œuf toxique, ça peut donner des dingouzes. Par contre, là, lui, j'aimerais bien le tuer, mais je pense que je vais pas y arriver. Donc, il va m'enlever quelques PV, hein. Si je fais foudre en poule, électrisation, activation double, ça marche pas, hein. Ça fait que 9 plus. Pardon, 5 plus 6 plus 16. 22, 27, il manquera 10, donc on va plutôt bloquer et puis faire ça et ça et être triste. Aïe. Il faut encore défendre. On pouvait pas tuer. Ok, recyclage plus, récursivité plus, éraflure. J'aime bien recyclage pour enlever Hello World. Et c'est ballot, mais on va le jouer. Et ici on va jouer une... Excusez-moi. Pardon, là je m'autorise à save cam, j'ai littéralement glissé, d'accord? Je m'autorise à save cam, j'ai littéralement glissé. Je rejoue les mêmes cartes. Merci. Ah désolé, mais là c'était trop là. Et je vais regretter d'avoir ajouté recyclage contre cet ennemi-là. Par contre, je suis très content d'avoir ajouté compilateur de pilote. Hello World qui me donne compilateur de pilote. Ça me permet de piocher un peu plus. On
On va laisser les orbes faire quelques dégâts tout seul pour l'instant. On va y aller doucement. Voilà, on va avoir de quoi faire ça. Ceci, très bien. Allez, ça fout le bloc. Ok. Malheureusement, on va prendre un petit peu de dégâts encore. C'est pas trop non plus, mais ça fait chier parce qu'on perd des stacks. Pilote pioche deux cartes. Saut. Faudrait que je puisse tuer prochain tour. J'ai la foudre en boule normalement. Vu que j'ai un sang-froid dans mon deck, je pioche forcément soit la foudre en boule, soit le sang-froid. On récupère également une pile. Ça, ça bloque ça. Ok. La pile avec toutes les merdes qu'ils ont mis dans mon deck, forcément ça bloque. Sang-froid. Recyclage pour enlever ce saut, mais je pense pas que mon deck va être remachiné une dernière fois encore, même si bon. Pour l'instant c'est pas bien fou. Sang-froid. Frappe pile, ça bloque. Allez hop. Vise les yeux à nouveau. Peut-être qu'avec un peu de chance, l'orbe chironique fera le travail. Bingo. Bon, Hello World est très bien contre ces ennemis-là. Hein. Ils a bien sauvé le cul quand même. Hein. Petit atouk. Tac. Tac. Touk. Ça dégage. Éventail décoratif. Quand on fait 3 attaques, en un tour, pardon, on gagne de l'armure. On récupère une potion de pouvoir et un glacier plus. Hologramme plus. Waouh. Hologramme recyclage. Ceci dit, j'aime vraiment bien Glacier Plus. J'adore vraiment Glacier Plus. Redémarrage Plus peut être sympa aussi, mais faut pas déconner, Glacier, ça déchire. On va aller voir un élite de plus. Je m'endors, je pense que je vais vous laisser. Des bisous à toi, Sorut. Passe une bonne soirée. Ça va être compliqué. Non, ça va. 14. Oups. On tue au prochain tour. Et on bloque un peu plus avec l'éventail décoratif. Ok. Bon, on a pris tarif, mais on a Vajra. On va pouvoir se soigner. Et n'ajouter absolument aucune de ces cartes dans mon deck. Quand même, recyclage et rebond, c'est pas mal. On va pouvoir se reposer au feu, récupérer une fleur joyeuse. Ne pas avoir de PV pour ce Burning Elite. Ne pas avoir de potion, pardon, pour ce Burning Elite. Donc, est-ce que j'y vais vraiment? Ça peut pas être un Gremlin Nob Burning. Ça peut être les trois merdeux Burning. Mais on a un glacier. Et Hello World. Je pense que... Ok. Dire, je pense qu'il y a un monde où ça va, mais. On va pas repiocher défense, merci. Prends une carte de merde. Ok, glacier. On va essayer de tuer celui-là. On a un peu de force aussi, nous. Mais eux, ils en ont plus. Je vais peut-être me mordre les doigts de ce choix. Peut-être que je repasserai par ici. Ok. Il y a un monde où ça passe bien avec ça, ça, ça. Et c'est tout. Parce que prochain tour du coup, on fait ceci, ceci, et il faut qu'une des orbes touche là. Non ! Aïe 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 ! Et ben on n'ira pas probablement voir le... au secours. Non, c'est bon, ça tue. Tic-toc. Tac-tac. Ok. Dommage. J'aurais bien aimé en sortir avec un peu plus de vie, mais dommage.
Tac. Tac. 18. 18 points de vie. On récupère Omamori, une potion. Une clé incolore, une potion. Non. Une clé d'émeraude, une potion incolore. Et on récupère recherche plus. Excellent, recherche plus. Merci. Et on peut récupérer 17 PV pour 35 d'or. Donc on va y aller. Hein. J'allais dire ça met en confiance, mais juste après on tombe sur ces trois connards. Je bloque déjà, donc je vais juste taper lui. Ce qui va être menaçant au prochain tour. J'ai besoin de lui mettre un taquet ce tour-ci. Ça veut dire qu'on peut faire... Rebond. Activation double. Électrisation. Frappe. Prendre encore un petit peu de dégâts malheureusement. 2, c'est pas ouf. Et il meurt. Potion de Montardis, c'est bien. Hologramme, deuxième édition. Fusion, intéressant aussi, fusion. J'aime bien hologramme, c'est très fort. Et là, ça peut être un Gremlin Nob. On a une potion de Vantardise et une fleur joyeuse, pas trop mal setup. Je pense que j'allais faire le 4ème élite. J'assume. La Gavulin, bonjour! Allez, c'est parti. Que nous propose le jeu ce tour-ci? Hologramme plus pour remonter rebond, recharger les batteries. Pas ouf, hein. Non. Donnez-moi mieux. Ok. Là, on a un recyclage sur une défense. Activation double. Électrisation. On a récupéré un saut pour le prochain tour. Ok. Alors. On a déluge. Hologramme. Déluge, hologramme, déluge, recyclage sur la frappe, foudre en boule, électrisation pour bloquer pour 19 et on lui a mis sa race. On a ensuite visé les yeux, sang froid, rebond, activation double, défense, il est mort au prochain tour. Et on a perdu très peu de PV. Let's fucking go. Gne gne gne, j'aime pas Hello World. Oui, bah écoute, ça va. Hein, ça suffit. Gne 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 gne. Blizzard. C'est pas un deck Blizzard, ça, quand même. Putain, on a recyclage, glacier, sang froid. C'est pas un deck Blizzard, quand même. On n'a pas d'AOE, hein. Je suis peut-être en train de faire une grosse connerie. Peut-être en train de faire une énorme connerie, mais bon. Blizzard, il faudra l'améliorer. Hein. À quel point est-ce que je suis confiant là? J'améliore Blizzard. J'ai deux potions excellentes là. Blizzard, ce tour-ci ne fait rien! Ah si, un. Wouh. Bon bah, je suis mort. Adieu. Potion incolore, sauve-moi. Merci. Recyclage Hello World, parce qu'on n'aura pas besoin sur ce combat-ci. Là, ce qu'on veut voir, c'est glacier, hologramme, glacier, full block. Très bien. Rebond, frappe, et on attend un tour. On va être débuffé prochain tour. C'est ok, je pense que c'est ok. Je
Je pense que je vais enlever cette frappe. J'ai pas envie de jouer des frappes dans ce match-up. On va juste jouer une électrisation pour le boop. Voilà. Hologramme. Recyclage sur cette frappe. Défense. Juste accepter 1-2 dégâts. Ça m'a l'air ok. On va faire un glacier. Glacier bloc pour 24. On peut jouer foudre en boule pour lui mettre ça dans sa gueule. Voilà, et faire avancer un peu les dégâts. On a Blizzard pour le prochain tour. Sang froid. Activation double. On peut jouer recyclage pour enlever une défense. Jouer Blizzard qui fait désormais 22. C'est mieux. Et bloquer complètement. Ok. On peut ensuite jouer glacier. Hologramme. Et Blizzard qui fait désormais 28. Ça s'améliore. Même si j'en rêve encore. Non, c'est dans l'autre sens. Merde. Défense. Électrisation. On bloque. Blizzard. Sang froid. Hologramme. Défense. Recyclage. Blizzard. Glacier. Ça fout le bloc. Foudre en boule. Dans tes dents. Ok. Et ben voilà, ce boss s'est bien passé. J'ai bien fait de pas me soigner du coup. Petit peu peur quand même. Heureusement qu'on avait cette potion. Et qu'elle nous apprend quelque chose de sympa. Sang froid. Ça pioche pas Blizzard malheureusement. Hologramme. Sang froid. Ça pioche Blizzard. Recyclage. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un peu de cerveau. J'ai cru que j'avais fait de la merde. Blizzard. Très bien. Ok. Le jeu nous propose Machine Learning pour piocher plus souvent. J'aime bien ça. J'aime bien Activation Multiple, mais j'ai pas encore beaucoup de sources d'énergie. Et je crois que je préfère, dans un deck avec un recyclage, je préfère Machine Learning. Allez, on y va. Et le jeu nous propose plus d'énergie. Saurez-vous spotter la bonne relique? La bonne relique étant celle qui n'a pas de désavantage, à savoir clé maudite, pour aller avec Omamori. On peut ouvrir deux coffres. Choper deux malédictions. Donc on va y aller, clé maudite, c'est parti. 4 d'énergie, maintenant il faut qu'on trouve... Il faut qu'on commence à mettre de la pioche dans ce deck. On a Machine Learning et on a Sang Froid qu'on va essayer d'upgrader assez rapidement. Il faut qu'on enlève 4 frappes de ce deck. Peut-être que je peux faire 2 marchands. Je vois une route 2 marchands. Mais elle me plaît pas beaucoup beaucoup. Elle passe par 1 élite. 2 feux. 2 élites. Elle est pas simple cette route. Mais je pense que je vais l'essayer. Je pense que je vais l'essayer. Glacier tour 1. Ça fout le bloc pas. Connard. Je vais jouer le Warn, je pense. Ok. Hologramme. Glacier. Rebond Blizzard. Blizzard t'as pour 13 quand même là. Turbo frappe frappe pour enlever son armure à la con et pour gagner un peu plus d'armure de l'autre côté. Ok, sang froid, ça bloque. Recherche nous permet de récupérer recyclage et machine learning au cas où on a envie de le jouer. Rayon cellulaire affaibli cet enfoiré. Ça veut dire que derrière on a un Blizzard qui tape fort. On peut faire défense. On a besoin de bloquer pour 14, donc on bloque déjà pour 14. Donc on peut faire aussi frappe, ça passe. Blizzard, ça fait encore plus mal.
Et on peut recycler la défense pour jouer Machine Learning qui va nous permettre d'avoir un prochain tour pas si horrible. Parce que le prochain tour pouvait être horrible. Et on a Blizzard. Donc sang froid, glacier, Blizzard, et ça dégage. Je propose une décharge statique, le jeu nous propose une décharge statique, je pense pas. Griffe plus non plus, merci. On peut récupérer des PV ou récupérer une carte en plus. Sachant que si c'est un skill, elle sera upgradée. Vous savez ce qu'on adorerait trouver ? On adorerait trouver Frisson. Agglomération est pas mal aussi. Sang-froid aussi. Je pense que c'est un sang-froid. J'hésite avec agglomération, qui peut être vraiment sympa, mais qui peut aussi nous mettre un petit peu dedans. Agglomération plus tard, sang-froid d'abord, je pense. On a 4 d'énergie, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et on peut perdre tout notre or juste avant un chop, puisque on tombe sur un groupe de bandits affublés de grands masques rouges. Bonjour, il faut payer pour passer. Une modique somme de tout votre or fera l'affaire. C'est non. Évidemment. Évidemment, c'est non. Alors, ce tour-ci, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Je vais essayer de jouer, je pense, Machine Learning. Et... Il me faut quand même du focus dans ce deck, hein. Parce que pour l'instant, ça manque, hein. Blizzard, c'est pour prochain tour. Et recyclage, je pense. Et du coup, c'est... Glacier. Hologramme glacier. Et là, j'ai setup une pointe de stylo pour aller avec un blizzard avec quelques orbes. Si on peut. Très bien. Merci, blizzard. Merci. Let's fucking go, ça s'est très bien passé. Défragmentation, où étais-tu? On a besoin de toi, justement. Nickel. Ce sera bien quand tu feras une défragmentation plus, mais nickel. Et sang froid plus, mais également condensateur, mais également sac de préparation. Il y a aussi planétaire, hein, dans le tas là. Je peux acheter planétaire et le sac de préparation et le retrait de carte, je crois. Tout pile. 158 et 162. Ça fait 220. Plus 75. Non, pardon. N'importe quoi. 320. Plus 75. 395. Donc on va d'abord regarder ce qu'il y a dans le planétaire. Parce qu'on a un œuf toxique. Glacier plus. Yoink. Sang froid plus. Turbo plus. Dissipateur de chaleur, sang froid plus, turbo plus, j'aime bien turbo plus ici, j'aime bien sang froid plus ici, peut-être turbo, sang froid, glacier. On n'a pas de turbo dans ce deck, hein. On n'a pas de turbo. Ok. On a combien de sang-froid dans ce deck, là? 1, 2, 3, 4. Waouh. Just waouh. J'ai limite plutôt envie d'ajouter un condensateur plutôt qu'un sac de préparation, mais je pense que sac de préparation est trop fort. Allez.
Et bah, quelle planétaire riche en or glaciaire finalement, hein. Alors, recherche des fragmentations. À peu près sûr de ça. Peut-être sans froid aussi. Ok. Blizzard pas tout de suite, je pense qu'on va juste jouer glacier. On bloque déjà pas mal. Hello World trop mignon. Turbo, est-ce qu'on a envie de jouer ces trois cartes là? Peut-être que Hello World peut nous aider. Et en même temps Turbo juste avant le shuffle. Et en même temps le prochain tour est vraiment très nul. Allez. Le prochain tour était vraiment trop nul sans... Oh putain, il est encore plus nul maintenant. Rebond, activation double, électrisation... Rebond, électrisation, activation double, électrisation. Rebond, activation double, défense. J'aime pas ça, hein. Ouh là là. Vous avez dit turbo juste avant de mélanger, c'était la mauvaise idée. Bah voilà, j'avais raison. Alors... Glacier. Hologramme. Sur glacier. Recyclage sur saut. Turbo. Activation double. Glacier. Blizzard. J'aime beaucoup ce deck. Il mérite de voir passer plus de... Il mérite de voir passer plus de recyclage, mais j'aime beaucoup. Par contre, contre eux, ça va être compliqué, je pense. Est-ce que c'est un tour où je claque cette potion-là de force pour faire glacier sans froid? Ça fait 9, plus ça tue ces deux-là. Ouais, je pense que je claque cette potion de vantardise ici. Je commence par un sang-froid pour voir ce que je pioche. Dommage pour le machine learning, j'aurai pas d'énergie en plus ce tour-là. Mais, glacier, Blizzard tape pour 10. Si je rajoute 5 de force, ça tue. Donc je rajoute 5 de force, ça tue. Et on est lancé pour le reste du combat, je pense. Puisque derrière, on peut faire défragmentation, rebond sang-froid, turbo, glacier, foudre en boule. Ça veut dire que prochain tour on a un petit peu d'énergie. Voilà, on peut faire recherche sur hologramme et sang froid. On peut faire hologramme pour remonter glacier. Faire sang froid. Sang froid. Blizzard. Recyclage sur une défense. Repiocher pour reshuffle le deck. Jouer machine learning. Et se sentir bien dans notre peau. On sait pas, on va réussir à briser la malédiction avec un deck sans froid. C'est impossible. C'est impossible. Blizzard. Hologramme. Blizzard. On récupère une tire-lire-gueule. D'ici le shop, ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 12. 84. Gold. Pas trop mal. Un deuxième hologramme ou un deuxième recyclage? Je pense qu'un deuxième hologramme est meilleur. Algorithme génétique, malheureusement, pas à sa place ici.
Cette potion de vitesse aussi, on n'en a pas parlé, mais elle est vraiment pas ouf. Recherche pour trouver... Turbo et défragmentation. Turbo est déjà passé, c'est ça? Oui, Turbo. Et là. Allez, mange-toi ça. J'aurais peut-être dû jouer deux fois machin. Deux fois Blizzard plutôt que de jouer deux fois. Ouais. C'est pas grave. Hologramme Blizzard. Hologramme fait 5 d'armure. Plus 9 ici. C'est pas assez. Hologramme. Peut-être sang-froid. Peut-être hologramme. Là, ça nous ferait 19, donc ça bloque tout pile. Donc peut-être que c'est plutôt hologramme Blizzard. Pour lui mettre les dégâts qu'il mérite quand même, parce qu'on a besoin de lui mettre les dégâts qu'il mérite. Ah, ok, prochain tour, ça devrait aller. On a un 100 fois pour 0, on a un recyclage pour beaucoup. Ok, rebond glacier. Ça passe. Ça passe. Incroyable. Et agglomération est là. Un autre glacier encore. Mais on peut aller chercher agglomération. Je pense qu'agglomération fera un très bon taf dans ce deck. Ça rajoute de l'énergie au long tour. Et on va forger des fragmentations. Deux de concentration en plus, c'est vraiment très très fort. On récupère une relique qui nous intéresse pas. Paradoxalement, c'est une très bonne carte, mais je pense pas que ça nous intéresse. On a notre scaling. Donc on va prendre la clé de saphir, comme ça éventuellement on ouvrira pas le prochain coffre et on pourra se permettre de récupérer une malédiction en plus. Ok. Blizzard premier tour sur ce fight. Blizzard. J'ai envie de récupérer des fragmentations sans froid. J'ai envie de récupérer peut-être 200 froid finalement plutôt. Non, des fragmentations sans froid c'est mieux. Essayons de piocher un max, dommage. On va faire turbo pour faire rebond et blizzard. On va essayer de tuer un max de ces saloperies au prochain tour. Ah merde, j'avais encore l'énergie. Putain, bah oui, turbo est plus. Turbo est amélioré. Sans froid, très bien. L'excitation, ça bloque plus. Alors non, blizzard ne tuera pas. Oups. J'aurais pu jouer une attaque de plus et tous les tuer. Ce tour-ci. C'est bien malheureux. Heureusement pour moi, hologramme Blizzard, accompagné de sang-froid Blizzard, ça tue. Merci, pointe de stylo, tu déchires. Récursivité, recharger les batteries peut être sympa. Ceci dit, bon. Récursivité, c'est un orbe glaciaire de plus pour 0. Dans un monde où j'enlève électrisation de mon deck. On n'y est pas encore, mais... ça peut arriver. Ça peut aussi faire une cible pour hologramme si jamais. J'ai un peu peur de la consistance de mon deck par contre en ajoutant des cartes comme ça. Donc j'ai pas envie de l'ajouter tout de suite. J'ai besoin de jouer beaucoup d'orbes glaciaires chaque tour. Et on trouve le vagabond. On va lui passer 85 gold pour une relique. Allez, on récupère le sac de billes qui nous donne un meilleur tour 1. Peut-être contre ces malfrats, finalement. Pas dit, hein. Pas dit. Oh putain, waouh, ça fait plaisir. Ça nous permet de jouer beaucoup de trucs ce tour-ci. Dans ce sens-là, machine learning, skill potion, petit arc-en-ciel.
Voilà, ça bloque bien. Défense frappe, on essaie de tuer lui le plus vite possible. C'est vraiment notre cible sur ce combat. Ok, on récupère un blizzard ce tour-ci, très bien. Ça veut dire qu'on peut faire hologramme, glacier, blizzard, tuera. Tout à fait. Hologramme, glacier. Merde, glacier va tuer celui-là. Glacier va pas tuer celui-là. C'est pas grave, ça nous met de la défense en plus. On a réussi à ne pas être vulnérabilisé, ce qui fait que ce fight est normalement gagné maintenant. Parce que là, on va remonter typiquement hologramme et turbo. Hologramme pour remonter blizzard, sang-froid, turbo. On va virer ça, on va faire ça. Et là, on fait 21 dégâts. On peut faire un peu plus. On peut toujours faire un peu plus. 25, ça tue. Putain, ce deck est incroyable en vrai. On récupère un ticket restaurant pour juste avant le shop. Encore un sang-froid. Putain. Excusez ma vulgarité, mais. Oui. Et je rencontre une longue ligne de silhouettes encapuchonnées qui rentre dans une modeste cathédrale. On propose la dague rituelle pour tuer mes ennemis plus rapidement. Ou 50 d'or, juste avant un shop. La question c'est, est-ce que je vais vraiment voir ce shop? Je pense pas que j'amasserai plus d'argent que ça de toute façon. J'ai besoin de voir un shop rapidement pour retirer mes frappes. Je me soigne également, c'est une très bonne nouvelle. Bah j'ai besoin de rien d'intéressant dans le shop. De toute façon on va juste faire ça. On reste avec 69 gold. Nice. Est-ce que je prends une pile? Pile est une carte excellente dans les decks où agglomération est une carte excellente. Tu penses pouvoir facilement battre facilement le boss? Je pense avec Blizzard et des fragmentations. J'aimerais trouver du focus en plus ou des slots d'orbe en plus sur cette run. Pour l'instant, c'est ce qui me manque. Peut-être que cette potion de concentration peut m'aider, mais je pense que je bats le boss. J'améliorerai cet autre sang-froid. Je pense que j'arrive à jouer suffisamment de manière sang-froid, de manière suffisamment consistante pour pas me poser la question de est-ce que je base boss ou pas. Peut-être mal joué d'ailleurs là. Cette main c'était un peu triste. Je manque un petit peu de pioche, paradoxalement. Rebond blizzard. Je vais prendre un petit dégât. Rien de méchant. Blizzard ce tour-ci recherche également du coup. Alors, hologramme. Et sans froid. Ça bloque. Très bien. Typiquement, je suis vraiment pas inquiété hein, par ce combat. Voilà. Typiquement, je suis vraiment pas inquiété par ce combat. Je suis vraiment, vraiment pas inquiété par ce combat. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que j'arrive jamais à trouver les bonnes cartes à recycler. Mais là, bon, globalement, il va se manger des blizzards à 15 000 dans la tronche, là. Rebond, blizzard. Hologramme, sang-froid. Recyclage sur... une défense, un autre blizzard. Fichier que les glaciers sont passés. Agglomération. Sang-froid.
Hologramme. Blizzard. Sang froid. À nouveau, hologramme. Glacier, ça bloque. Blizzard, ça tue. On commence à faire des bons dégâts avec nos blizzards. Hein. Sang froid. Sang froid deuxième édition. J'aurais peut-être dû faire rebond sang froid la première fois. Parce que là, je vais prendre quelques dégâts. Pas énorme, hein, mais quelques. Ça va. Zéro, du coup. C'est mieux. C'est mieux, zéro. Agglomération, même dans un état de deck très réduit, est parfaite dans ce deck. Voilà. Et ça dégage. Du coup, facilement le boss, oui, ça va. Fission, ça accélère le setup du deck. C'est excellent. Forme d'écho est vraiment folle aussi. Mais c'est très difficile de refuser une fission plus dans un deck qui a besoin d'autant de setup. Ceci dit, forme d'écho permet de vraiment faire de la dingouze, mais... J'hésite vraiment. Entre fission plus et forme résonante, là, c'est compliqué, là. Parce que fission plus, ça peut vraiment être 3 de pioche en rab. Ceci dit, recherche peut nous permettre de jouer plus facilement forme d'écho. Probablement que forme résonante est plus forte. Mais là, le choix est difficile. Activation multiple plus, j'ai déjà refusé une fois, je crois. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment ma carte favorite. Mais en vrai, forme d'écho qui permet de doubler toutes les orbes glaciaires va me permettre de vraiment aller très très vite sur Blizzard. Fission permet de kickstart un petit peu. Forme résonante permet de faire un peu des folies. Je pense qu'on prend forme résonante parce qu'on a assez d'énergie. Waouh. On peut avoir la cloche d'appel. 3 reliques gratos. Je clique, non ? Dégage. Je récupère un câble plaqué or. Une fraise pour des PV max. Câble plaqué or, c'est pas mal, hein. Et une poupée d'Uvo qui va me rajouter un de force. C'est pas les meilleures reliques qu'on aurait voulu trouver. Mais cela dit, bon. C'est déjà ça. Alors, est-ce qu'on refait deux chopes pour retirer les deux dernières frappes qui nous restent? On essaye peut-être de faire ça. Donc peut-être qu'on essaye de faire ce chemin-là. Parce que là, je pense pas que j'ai besoin d'upgrader quoi que ce soit dans mon deck. On essaye peut-être ce chemin-là. Ici, là. Tic. Et après, on verra. Allez, on va essayer le chemin de shop. Ok, donc là, typiquement, vous voyez, on a un tour qui est sympa parce qu'on a forme résonante et glacier. On pourrait ne même pas se poser la question. Ceci dit, il est aussi possible qu'en faisant 100 francs, on trouve un truc sympa. Comme machine learning. Ou qu'on soit triste. Et qu'on fasse juste 100 francs une deuxième fois. Oh là là, c'est triste. C'est pas beau ce que j'ai fait là. J'ai perdu des PV bêtement. C'est pas grave, puisque ce tour-ci, on a 100 francs, 100 francs. Très bien. Des fragmentations, c'est chouette. Recyclage nous permet d'enlever rebond. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Ouais. Recherche nous permet de récupérer Blizzard et hologramme. Ou turbo et sang froid. Peut-être plutôt turbo et sang froid. Ok. Paf, 26 dans sa tête de con. Prochain tour, on n'aura pas hologramme malheureusement. Enfin, si on aura hologramme, pardon.
Bah, hologramme, hologramme. Et on va remonter. Glacier. Et. Blizzard. Voilà. On a perdu que 2 PV sur ce combat, c'est pas dramatique. 2 sang-froid, merci. Turbo, sang-froid à nouveau. Bizarre. Ça en fait des cardis donc. Ça en fait, mais en même temps, elles font, du... elles font des dégâts. J'aime bien hologramme ici. Qui mon boss de fin d'acte? C'est Donu et DK, les pauvres. J'aime bien hologramme ici à nouveau. Troisième hologramme qui permet de remonter les cartes qui vont bien. Et en progressant lentement au fil des couleurs en zigzag, on se perd sans arrêt, les murs et le sol ne cessent de bouger pour une raison inexplicable. Les voix qui chuchotent constamment dans ma tête ne facilitent pas les choses. 2 folies, 14 PV max. Je suis pas sûr d'avoir besoin de folie dans ce deck. Je pense que je vais juste perdre 14 PV max, 4 PV max, pardon. C'est dommage, mais c'était pas le bon event. Et un diablotin! Baffrer l'équipement des cartes sur une table, ce monstre semble inoffensif. Je m'approche par curiosité. 12 cartes, pas une de plus. Pardon. 12 cartes, pas une de plus. Allez hop, on y va, pas le temps, let's go. Ok, on récupère pas fuselage. On récupère pas regret. On récupère pas ténèbres, même si c'est très tentant. On récupère pas regret. Et on récupère pas ultra laser non plus. Eh bah dis donc. Merci. Diablotin a disparu. Arc-en-ciel sympa, mais retrait de carte mieux. Ouh, attendez. J'en parlais de celui-là. Hein. J'en parlais de celui-là quand même. Le condensateur là. Avec des fragmentations, c'est pas rien, condensateur. J'ai besoin de plus de focus, je pense, encore. Ok, c'était l'illusion d'un choix. Malheureusement pour moi. Par contre, agglomération, forme résonante, sang-froid tour 1, ça fait plaisir. Hologramme, sang-froid. J'ai besoin de plus d'énergie, plus de blocage. Ok. Je suis pas ultra fan de ce qui va m'arriver dans la gueule. J'avoue. Je bloque actuellement pour 14. Je vais me prendre 16 plus 9, 23. Ah, je vous déteste, les merdeux. Je pense pas que cette potion soit très importante tout de suite. Ça m'a bloqué, ça m'a préservé 5 PV, c'est déjà ça. Pour ce tour-ci, on va faire glacier, foudre en boule. Peut-être sans froid pour voir. Ah, mais j'ai deux fois sans froid. J'avais oublié. Parce que j'ai joué forme d'écho au dernier tour. Foudre en boule sur. Rebond sur toi. Foudre en boule sur toi. Recherche pour remonter ça. Et ça. Turbo. Défragmentation. Ta sœur. Ta sœur. Ok. Potion de concentration, c'est mieux que la potion que j'ai dépensée. Donc tout va bien. Dissipateur de chaleur pourrait me permettre de piocher. Je suis pas hyper fan. Trop tard dans la partie. Vise des yeux aurait été sympa avec un plus. Mais là c'est non, merci. Et on tombe sur la Némésis, qui est une sacrée saloperie. Heureusement pour nous, on a sang froid. Sang froid. Condensateur. Turbo, sang froid. Forme résonante. Ok, je pense que la partie est bien. Hologramme. Turbo. Rebond glacier. Électrisation. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. À partir de maintenant, on va relativement bloquer. 6 heures par tour.
Je vais piocher parce que je déteste ce prochain tour. Dégage, frappe. J'aurais peut-être dû virer Hello World. Allez. Nice. Heureusement que j'ai joué... Oh putain. Incroyable ce tour-ci. Il est vraiment fou. Il est vraiment fou ce tour-ci. Ok. Alors, c'est parti. Blizzard, Blizzard. Non, sans froid, sans froid. Hein. Ouais. Blizzard. Hologramme. Blizzard. Oh là, merde, trop d'énergie. Excusez-moi. Ah merde! Recyclage là-dessus, ça dégage. Fun fact sur l'animation de Blizzard, elle devient de plus en plus grosse au fur et à mesure que vous avez joué des orbes. Plus vous avez défendu, plus votre Blizzard devient énorme. On récupère un jeton, excellent avec le sac de préparation. On récupère une potion de capacité, excellente. Si on réussit à l'amener jusqu'au bout du haut de la partie, celle-là, elle déchire. On va essayer d'aller là pour augmenter une carte ou pour se reposer aussi. Pas pour se reposer, pour rappeler. En vrai, les retraits de cartes sont pas si importants parce que j'ai recyclage. On aimerait bien, mais ils sont pas si importants que ça. Ok, l'éphémère est là. On va pouvoir enlever... ces trois cartes qu'on ne veut pas jouer. On peut faire sang froid ce tour-ci. On peut faire recherche pour remonter agglomération et défragmentation. Et ne plus se poser de questions. Ok, on va peut-être prendre un petit peu des dégâts ce tour-ci. J'enlève 10. Est-ce que je joue vraiment turbo pour préserver 2 PV? Oui. J'ai besoin de le setup, mais après c'est bon. Là j'ai joué forme d'écho. Je suis globalement bien. Hologramme sur agglomération. C'était pas bien fou ça. Allez, calme-toi grande bourrique. Fais un peu moins de dégâts. Deux glaciers prochain tour, ça devrait aller en termes de défense. Surtout avec un blizzard. Qui commence à faire sa petite dose. Il nous faudrait encore un peu de concentration, hein, en vrai. On a récupéré un hologramme qui va nous permettre de remonter blizzard. C'était lui que je cherchais. Faut le remonter dans notre main pour le prochain tour. Est-ce que l'hologramme nous permet de faire quelque chose de sympa? Non. Ouais. C'était exactement pour ça que je voulais remonter Blizzard dans notre main. Là on fait 50. Et on bloque pour 5 x 4, 20. Donc on a besoin de mettre une foudre en boule en plus. Prochain tour, je serai content d'avoir Machine Learning. Deux Machine Learning apparemment, parce que j'avais oublié Forme d'écho. Décidément, ça va pas du tout. Hein. Ok. Ah, mais j'oublie d'ailleurs que lui, il compte double avec le truc plaqué or, là. Et bah, sans froid, sans froid. Agglomération. Blizzard. On va garder la pointe de stylo. On va juste essayer de bloquer un max. Voilà.
Ok. Hologramme encore. Ça commence à faire beaucoup. Et en même temps, je pense pas que ce soit assez. On va se rappeler à ce feu là parce qu'il est possible que qu'on ait besoin de se reposer au prochain. Et on va pas ouvrir ce coffre pour pas récupérer la malédiction. Je veux pas me jinx, mais pour l'instant j'ai l'impression que cette run peut y aller. On a recherche tour 1, c'est super, ça veut dire qu'on peut, on peut remonter forme d'écho. On va enlever ça, ça, ça. Ok. On va faire recherche pour remonter une forme d'écho et une défragmentation. J'ai pas d'énergie en rab. On va jouer ça comme ça. On va jouer ça comme ça, d'accord? Très bien. Oula. Trop d'aglo. Trop d'aglo ? Est-ce qu'il y a seulement jamais trop d'aglo ? Bah je vais quand même prendre dans ma gueule apparemment. Parce que le jeu m'a pris pour sa petite pute. Pardonnez-moi l'expression. Genre vraiment les 44 là ? Je disais quoi à propos de on aura peut-être besoin de bloquer un moment ? Bah voilà. Ok. Recyclage nous permet d'enlever défense. Hologramme nous permet de remonter glacier. Et c'est à peu près tout ce dont on avait besoin pour ce tour-ci, parce qu'on bloque. On peut avoir quelques petits trucs un peu houleux sur certains setups quand même, hein, du coup. Hein. On a repéré. Ok. Rebond pour tuer lui. Hologramme pour remonter. On s'en fout, ce qui compte c'est que hologramme reparte dans le haut du panier. Pour pouvoir faire deux hologrammes ce tour-ci. Et on a bizarre, donc tout va bien. Très bien. Parcourir. Parcourir c'est un bon moyen de piocher aussi. Hein. Mais il ne génère pas d'or glaciaire. La question c'est est-ce que je rajoute encore un sang-froid? Je pense que oui. Ce deck est très débile. 32 cartes, trop de sang-froid. Un blizzard au milieu. Je pense que j'aime beaucoup ce deck. Une deuxième recherche ou un retrait de carte en plus? Je pense que c'est une deuxième recherche. Et on va skipper ce coffre malheureusement. On va aller upgrader condensateur. Juste ici. Et peut-être upgrader Machine Learning en dernier. Un élite de plus. Alors là, celui-là, il fait un peu peur. Il fait moins peur quand on a ça dans la main. Ça va. Globalement, ça va. Je sais pas vous, mais moi, globalement, ça va. Je sais pas vous, mais moi globalement, ce fight reptomancienne, je le sens bien. Yes. Je crois que j'ai foiré quand même. On va faire ça dans cet ordre-là. Prochain tour, j'ai deux hologrammes pour remonter agglomération et blizzard. J'ai un hologramme pour remonter quoi? Un sang-froid? Un sang-froid? Non, parce que j'ai condensateur, glacier, blizzard.
que ça tue tout le monde. Non, même pas. Une chance sur deux. Sinon je me retrouve avec une merdouille dans mon deck. Bingo. Faut arrêter par contre ça madame. Ça c'est pas fair play ça. Hologramme deux fois. On va remonter du coup Blizzard parce qu'il n'y a pas de question. Et en deuxième on va remonter sang froid. Recyclage d'une frappe. Sang froid, Blizzard va tuer absolument tout le monde. Voilà, sang froid, on remonte. Tout le deck, sang froid. Et on arrive enfin le fléau du grimpeur. Bon, globalement ça va. Cet archétype joue lentement, mais cet archétype joue lentement bien, donc je suis content. Sang froid, pour retrouver plus vite le Blizzard. Agglomération, sang froid. Blizzard est juste ici. Et avec 61, oh merde, on perd la stack. Rebond. Merde. Recyclage. Blizzard, hologramme. Blizzard. J'essaie de remonter un petit peu la pointe de stylo. Akabeko, pas mal du tout. Récursivité, est-ce qu'on y réfléchit maintenant ou pas? Je pense pas. Et on va améliorer une autre carte. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'améliore pas Machine Learning? Activation double est peut-être sympa aussi, mais Machine Learning, on assure qu'on l'a dans la main du premier tour. Et donc si on sait qu'on a l'énergie pour la jouer, on peut la jouer. J'aime bien ce petit confort. Voilà, et donc là par exemple, on a enlevé deux stacks grâce au masque rouge et au sac de préparation, et au, pardon, au sac de billes. Mais globalement, on sait qu'on jouera pas avec les trucs. Alors, on va enlever électrisation. Rebond également, je pense. Par contre, j'aime beaucoup ces cartes-là. Donc, on va juste faire ça. Et donc, j'adore recherche et agglomération. Agglomération ici. Recherche, forme résonante. Et condensateur. Ok. On commence avec 1, 2, 3, 4 pouvoirs. Sang froid. Glacier. Hologramme. Électrisation. Et on bloque. Ok. Blizzard x2, peut-être plutôt 2 fois sang froid plutôt. Ok. Ça me permet de faire sang froid à nouveau. Ça nous permet de faire hologramme, agglomération pour 1 d'énergie. Ça nous permet de faire sang froid à nouveau. On va te faire Blizzard. Et ça fout le bloc. Prochain tour, on va recycler le deck. On va avoir beaucoup d'énergie et peut-être pas beaucoup de pioches, ça me saoule un petit peu. Ok, j'ai rien dit. Alors, recyclage de cette défense. Sang froid. Hologramme. Sang froid. Agglomération. Hologramme. Sang froid. On a peut-être dû faire un recyclage de ces cochonneries là. Glacier. Frappe, frappe. C'est pas grave, vous pouvez continuer à scaler. Moi je m'en sors aussi. Je continue aussi à scaler en termes de dégâts, donc tout va bien. Deux fois sang froid ou deux fois glacier? Deux fois glacier, ça génère beaucoup plus d'orbes. Oups. Je vais faire sang froid à la place, c'est pas grave. Allez, ça avance doucement. On va faire 59 dégâts x 2. Je bloque pour combien là? Je bloque pour 6 x 4, 24. Il me met plus. Donc je vais être obligé de jouer un glacier. Peut-être un sang-froid.
Si je joue en sang-froid, je bloque pour 7, 12. 12 et 24, 36. Il s'apprête à mettre pile 36 sur ma gueule. Donc peut-être que là, ce que je fais, c'est plutôt un sang-froid. Pour voir ce que ça repioche. Ok. Peut-être plutôt un sang-froid encore. Turbo, ça continue. Le jeu ne s'arrête jamais. Ok. Recyclage, ça dégage. Hologramme. Sang-froid. Sang-froid. Hologramme. Recyclage. Ça y est, on dégage les trucs. Oups, je vais être triste là. Non, c'est bon, ça va. Ok. C'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est virer les cochonneries du deck en fait. Faut que je joue recyclage plein de fois. Ok. Bizarre. Ça termine le fight. Bonne nouvelle! Le premier boss est passé, on a perdu aucun PV, on a deux potions et on est face au dévoreur qui est loin d'être l'ennemi le plus horrible qu'on ait à affronter. On va garder juste ces cartes là, on va essayer de trouver la forme Neko si possible. Merci, forme résonante. J'ai pas d'énergie, ce qui est un peu étrange. On peut faire hologramme. Virer un glacier pour jouer machine learning. J'aime pas ça. J'ai juste accepté la douille, douille tour 1, mais en même temps machine learning est tellement fort. Contre lui, oh, on finira bien par le jouer. Hein. Ouais. Allez, j'accepte la douille du tour 1. Assez étrange qu'on ait pas de quoi jouer plein de cartes tour 1. Mais bon, ça me gêne pas. Ça veut dire qu'on a un tour 2 acceptable avec recherche. Ah putain. Merde. Oupsie lazy. Agglomération. Défragmentation. Glacier. J'ai encore 5 cartes à jouer. Je vais voir ce que je peux en faire. Ouais. Ok. On a toujours pas joué notre première carte. On va faire. Oh putain, ici. Au secours. Hologramme. Sang-froid, pioche forcément des sang-froid. Let's go. Et recyclage me permet également de jouer des cartes. Du coup, sang-froid. Recyclage pour enlever cette merde. Sang-froid pour continuer à piocher. Sang-froid, ça continue à piocher. Nickel. Peut-être Blizzard pour commencer à l'attaquer un petit peu dans ses HP aussi. Allez, on a 4 cartes à jouer au prochain tour. Dont la carte avec forme résonante. Ce qui est pas forcément ultra réjouissant. Ceci, la carte avec forme résonante, c'est condensateur. Ce qui est plutôt réjouissant. On prend un petit peu ici, mais c'est pas dramatique. Je pense qu'on est setup contre le dévoreur. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde où il va nous emmerder. Alors, ce qui fait chier, c'est qu'on n'a pas encore joué machine learning. On va le jouer maintenant. On va jouer machine learning maintenant d'ailleurs, et puis glacier juste après, parce que j'ai failli me faire avoir par le compte des cartes. Dévoreur qui vous fait souffrir quand vous. Quand vous arrivez à 12 cartes par tour. Sang froid. Ok, sang froid toujours. Englué pour sortir ça. On va peut-être jouer turbo. On va jouer sang froid. Ok.
Ok, on a un recyclage pour virer défense. On a un sang-froid encore. On a hologramme pour recycler une nouvelle défense. On a toujours un sang-froid et on va finir par jouer un blizzard. Et on arrive à vider un petit peu notre deck comme ça. Doucement mais sûrement. Ce tour-ci, j'ai 12 cartes à jouer. Il s'apprête à me mettre beaucoup. Je peux faire glacier-glacier. Et pas me poser de questions. Et faire juste un hologramme sans froid. Ah merde, ça a shuffle. Zut. Il va quand même commencer à picoter un petit peu là. Ouais. Sans froid. Recyclage sur... peut-être turbo, j'en ai plus besoin. Peut-être glacier, j'en ai plus besoin. Peut-être glacier, j'en ai plus besoin. Agglomération aussi, probablement j'en ai plus besoin. x3, ça va, ça se défend encore. J'ai trop d'énergie. Les prochains tours, je lui mets 2 blizzards. 101 x 2. 101 x 3 avec hologramme. Bye bye. Bye bye. Ok, on a passé cette ascension 20, il était temps. Ok, baboum baboum baboum, une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière, se reste le cœur de la tour, la source de tout ce blizzard. On charge le noyau et inflige 2252 dégâts. Let's go. Ça passe. Dommage qu'il soit 23h et que tout le monde soit parti au lit. On peut faire un repos, je pense pas que j'ai envie d'upgrader ces cartes. On va faire un repos, 4 PV, je pense que c'est mieux qu'une upgrade sur chacune de ces cartes. Ah mais non, mais j'avais le repos, j'avais le sein. Bon bah c'est pas grave, j'aurais pu faire une upgrade sympa. C'est pas grave. Rien de dramatique. Ok. Donc, que va-t-on jouer sur ce combat? Merci Tienne. On va peut-être virer le condensateur, on en a pas besoin tout de suite, c'est mieux pour les combats longs. Et là c'est pas forcément un combat long qu'on a envie de voir. Machine Learning a l'air très sympa pour permettre de pas mourir au prochain tour. Peut-être qu'on enlève hologramme. Et on a 2 sang froid, un glacier, ça nous permet de... Ok, recyclage nous permet de virer cette merde tout de suite de notre main, c'est une bonne nouvelle. Sang froid, ok, on récupère une agglomération, très bien. Ça veut dire qu'on peut faire machine learning. Électrisation. Rebond, glacier, pour avoir glacier au prochain tour garanti. On va piocher aussi 5 cartes, 6 cartes prochain tour. Grâce à machine learning. Ce qui rend ce tour un peu moins effrayant. Parce que sans ça on se serait moins marré je pense. Voilà. Ok, et maintenant la machine est censée être lancée. On a forme résonante, turbo, sang froid. Blizzard qui est pas là au moment où on a besoin de lui. 57 dans le dos là. Ah le salopard. Qu'est-ce que je pioche là? Est-ce que je piocherai pas un sang froid? Je crois. Eh ben il fallait pas piocher sang froid. Aïe. C'est pas bon ça. Ok, maintenant on leur éclate la tête. Ça suffit. Maintenant on leur pète les genoux.
Petite calice. Bon, casser la gueule. Putain. Bon, on récupère une potion de faiblesse qui est pas plus mal contre le cœur en vrai. Une surtension nucléique également. Ça peut nous sauver. C'est un artefact. On peut éventuellement la trouver sympa, celle-là. Au tour 1. Hello World, tu dégages. On va jouer juste un seul sang-froid. Surtension nucléique qui est là, en goutte. Incroyable. Surtension nucléique est vraiment ultra bien tombée. Je pense qu'on bat ce cœur. Je pense qu'on bat ce cœur. Je vais recycler l'utilisation, j'en veux pas, je pense. On peut faire rebond hologramme aussi, hein. Pas mal prochain tour, en vrai. Donc turbo. Rebond hologramme. On va remonter glacier. Et on va recycler cette cochonnerie. Hop là. Et on n'a plus que des orbes glaciaires quasiment. Ok, on n'a pas de vulnérabilité. Le cœur est affaibli. On peut faire double glacier ce tour-ci. Voilà, ça bloque. Hologramme va nous permettre de remonter. Recyclage qui dégage cette brûlure. Sang-froid va nous tirer le néant que le cœur a mis dans notre deck. C'est pas celui qu'on a mis nous, c'est celui que le cœur a mis dans notre deck. Ça nous fait tomber à zéro d'énergie, mais on full bloque, donc c'est pas mal. Je pense qu'on devrait s'en sortir tant qu'on arrive à jouer des sang-froid. On a un capaciteur juste là. On peut faire hologramme. Hop, recyclage. Ça dégage. Hologramme, recyclage. Ça dégage. Et puis un petit blizzard. Et voilà. Tu dis que c'est épuisant comme jeu. Je veux bien te croire. Normalement, on est bien parti contre le cœur. On va avoir de quoi vraiment lui exploser la tête. Notamment avec ce double glacier. Sans froid. Sans froid. Blizzard. J'ai appris ma leçon de la run qu'on avait perdu contre les. Contre Donu et Deka en essayant de faire un. Comment ça s'appelait ? Le challenge minimaliste. C'est qu'il faut jouer glacier de temps en temps, surtout contre le cœur, où le nombre de tours sont comptés, mais à la fin, on devrait s'en sortir avec un bon gros glacier bien sale, bien solide. Double glacier. Rebond sans froid. On va voir si ça vaut la peine de jouer turbo. Ça vaut la peine de jouer turbo. Parce que turbo nous permet de jouer hologramme. Hologramme rebond. Rebond sans froid. Et on a un sang froid sur le dessus du deck pour le prochain tour. Qui peut jouer deux fois. Très bien. Ici, est-ce qu'on ferait pas plutôt. On va faire deux fois sans froid. Et une troisième fois sans froid. Ok. Agglomération. Recyclage pour sortir cette cochonnerie. Et là, j'ai juste besoin de défendre en fait. J'ai 20 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 4, 32. On a appris de nos erreurs. Ça fait 52. Ça veut dire que le cœur va nous mettre quelques petits taquets. Donc on va plutôt faire ceci. Ah, j'avoue que c'était 9 x 4 plutôt. Pardon, excuse-moi. 9 x 4, 36. Donc on bloquait quand même pas. Alors que là maintenant on bloque. 32 et 32, 64. Ça bloque.
Et là, vous voyez, typiquement, le cœur nous met déjà un petit peu dans le mal sur des tours comme ça. Donc il faut qu'on continue à essayer de pousser un petit peu les dégâts. En remontant, je pense, recyclage. Pour sortir des trucs. Parce que là, notre deck est trop grand, en fait. Après, on lui met 98 dégâts et on n'avait même pas la pointe de stylo. Prochain tour, ça devrait aller. On va générer beaucoup d'orbes. Ok. C'est ce tour-là qui va faire très peur. Deux fois sans froid. On n'a pas d'autre hologramme dans... Si, on a un autre hologramme dans la pioche. On va virer cette cochonnerie. Sans froid. Ok. Sans froid. Sans froid. Turbo. Agglomération. Je vous jure, dans ma tête, là, il y a des calculs à la seconde, c'est... Et ils sont tous faux. Un cookie à ceux qui ont la ref. Recyclage sur défense. Bon, est-ce qu'on parle de Blizzard qui va faire les dégâts du tour à lui tout seul? Oui, hein. On en parle. Hein. Là, il va nous mettre 90 dans la tête. Donc, il y a un Blizzard, Glacier, Rebond, Hologramme qui part pour faire recyclage sur une défense. On va jouer en plus. 70, on bloque. The fight est pas gagné. Hein. On a deux tours pour terminer, il faut pas déconner. Hologramme deux fois pour remonter Blizzard et Rebond. Heureusement, je pense que ça passe. Avec double glacier prochain tour. Let's fucking go. Pouh, ça passe, mesdames, messieurs. Le cœur est enfin passé. Grâce à Blizzard. GG à lui. On a fait combien? 16 de losing streak. Faut vraiment, vraiment, vraiment que ça traîne le défectueux très, très sévèrement là. Ce perso-là nous pose trop de difficultés pour pas grand-chose. Victoire en tout cas. Il est 23h34. Tout le monde est au lit. Personne n'est là pour voir ça. À part vous, YouTube très certainement. Etienne aussi qui explose, exulte devant le chat. Mais c'est passé! C'est passé. Des bisous à vous les viewers. Faites un bon gros dodo. Et moi en attendant, je vais réviser ma théorie du défectueux. Parce que ça va pas du tout. C'est beaucoup trop difficile de jouer ce personnage. Alors que ça devrait pas être aussi difficile. Des bisous à vous. Bonne soirée. Dormez bien. Ciao ciao.